Grammaire. Les pronoms personnels sujet. Avec petit chat. Oh, petit chat. Bonjour les amis. Petit chat se pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom? Le pronom. Dans une phrase, un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Le pronom permet de ne pas répéter le nom ou le groupe nominal. Exemple. Le petit chat sourit. Le petit chat est un groupe nominal. Il peut être remplacé par le pronom il. Il sourit. D'accord. Le pronom, ça peut remplacer le nom. Et qu'est-ce que c'est qu'un pronom personnel sujet? Le pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujet sont les mots suivants. À la première personne du singulier, je. À la deuxième personne du singulier, tu. À la troisième personne du singulier au masculin, il. À la troisième personne du singulier au féminin, elle. À la troisième personne du singulier indéfini, on. À la première personne du pluriel, nous. À la deuxième personne du pluriel, vous. À la troisième personne du pluriel au masculin, il. À la troisième personne du pluriel au féminin, elle. Je et nous désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Il, elle, il avec un S et elle avec un S remplacent des noms et évitent de les répéter. On peut désigner les gens, tout le monde ou quelqu'un. Exercice. Dans les phrases qui vont suivre, remplacez les mots soulignés par le pronom personnel qui convient. Phrase numéro 1. Le tigre traverse la rivière. Le tigre est le groupe nominal à remplacer. Il peut être remplacé par le pronom personnel sujet il. Il traverse la rivière. Phrase numéro 2. Les tortues marchent sur le tronc. Les tortues est le groupe nominal à remplacer. Les tortues peuvent être remplacées par le pronom personnel sujet elles, au pluriel, marchent sur le tronc. Phrase numéro 3. La rose est rouge. La rose est le groupe nominal à remplacer. La rose peut être remplacée par le pronom personnel sujet « elle ». « Elle est rouge ». Phrase numéro 4. La colombe vole dans le ciel. La colombe est le groupe nominal à remplacer. La colombe peut être remplacée par le pronom personnel sujet « elle ». « Elle vole dans le ciel ». Phrase numéro 5. Toi et moi sommes amis. « Toi et moi » peut être remplacé par le pronom personnel sujet « nous ». « Nous sommes amis ». Phrase numéro 6. Fabrice et toi êtes contents. Fabrice et toi
et le groupe nominal à remplacer. Fabrice et toi peut être remplacé par le pronom personnel sujet « vous ». Vous êtes content. Super ! J'ai tout compris ! Au revoir les amis !